tracteur. Voilà, autrement, le point des semis. Enfin, semis en potage. Mais jusque-là, il n'y a pas de chauffage ici. Alors ici, ça, c'est fait des semis au 3 mars de fleurs. Les œillets d'Inde. Il y a différentes fleurs. Là, commence un petit germe là. En là-bas, c'est basilic. Et basilic. Alors, ici en dessous, encore quelques semis. Alors, il y a le basilic, j'ai commencé à faire un peu de rempotage. Au basilic, voilà, des mufliers. Et ici, les capucines que j'ai mis. Bon, on va aller voir à d'autres endroits. Alors ici, en serre-poil, il y a les poireaux. Et ça pousse bien, ça va. Ici pareil. Bon, on va les laisser là pour l'instant. Ils sont bien, il n'y a rien d'autre pour l'instant dans les dans ces petites serres là. Voilà. Tout ça, ça sera rempli. Et pour l'instant, ça pousse seulement. Bon là il n'y a rien non plus, c'était nettoyé. Alors ici, bon, il y a un serre froide. Bon, je vais relancer un peu de des petits pois. Là il y a encore un peu de rempotage. Ici c'est pareil, ça ne bouge pas trop. Alors ici de l'autre côté, bon. Et quelques poivrons, un peu d'aubergine, mais enfin cela c'est du surplus. Ici c'est pareil, des poivrons, des aubergines, enfin les aubergines ne sont pas là, les aubergines, d'un ou deux pieds, mais c'est du surplus, donc je les laisse là. Voilà. On va leur mettre un peu ça aussi, au-dessus, voilà. Oh, les petits pois. Bon, ici il y en a qui poussent, il y en a qui poussent moins. Bon, enfin c'est pas grave. J'en ai autre part. J'en ai de l'autre côté ici. Voilà, alors, ici là, c'est bon. Ça sera mis vers le 15, 20 ou à la fin du mois, une mars. Voilà. Ça sera mis dehors. Voilà. Bon. Ça c'est l'avancée des hautes par ici. Oh, mais il y en aura largement assez, ça va. Un surplus de poivrons et puis des piments aussi. Ouais. Alors voilà ce que ça fera. Le reste je l'ai en à la maison donc ça ira. Voilà. Donc ici il y a des pieds de tomates relancés. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5, mais il y a une séparation, il y a 10 sortes. 10 sortes de tomates. Les semis sont lancés, ils sont au chaud. On voit quelques germes qui commencent à sortir. Voilà, on est le 3 mars. Ça reste bien au chaud et avec la lumière. Bon ben alors ici c'est toujours au 3 mars l'avancée. Ah, ici il y a des poivrons, il y a trois couleurs. Après il y a de l'aubergine, il y a de la tomate, donc les 85 pieds là, tomate. Bon, qui se porte bien pour l'instant, ça va, avant qu'il soit rempoté. Une deuxième fois. Bon, c'est au chaud quand même. Et en dessous d'un Velux. Pousse bien, donc on va aller voir les autres.
Ici, il y a déjà 80 pots. On va y voir les autres. Et voilà, donc ici, ce sont les aubergines. Elles sont déjà belles. Hein. Bon, elles ont été arrosées ce matin. Pareil, ici, il y en a 40 pots. Et puis la tomate. Donc il y en a 40 pots encore ici. Ouais, bah, ça pousse bien, ça va. Pour un 3 mars. Ah, ici, il y en avait 6 sortes. Et j'en ai relancé 10 sortes en bas. Qui iront pour dehors. Ah, les aubergines, elles se portent bien. Beau pied d'aubergine. Oh, allez voir les dans l'autre pièce les autres, les piments. Voilà, donc ici c'est des poivrons, des rouges, des oranges et des verts. Voilà. Ouais, ils sont beaux aussi ces pieds-là, poivrons. Et ici, il y a des piments. Ça, c'est un poivron rouge, celui-ci. Et les autres, c'est des piments. Bon, encore 2, 4, 6, 7 pieds de tomates aussi, là. Bon, ça penche un peu, mais ça, c'est pas grave. Pour les tomates, c'est pas grave, vu qu'ils seront rempotés une deuxième fois dans un pot bien plus grand. Le triple de celui-ci. Donc, ça refera de la racine. Ah, mais les piments, ça va. Ça porte bien tout ça. Poivron, pareil, 40 pots aussi, là, poivron. Les piments, il doit en avoir 35 par là. Enfin, il y en avait trop. Bon, avec 5 pieds, j'en ai largement assez. Bon, ben voilà. Au 3 mars, là, l'avancement. Allez, à la prochaine.